Salut la famille, c'est Nekrito pour le C'est moi wesh de la pépite. Yes. C'est moi wesh. Moi c'est Nekrito, rappeur du 7-7. J'ai commencé la musique, on va dire à l'âge de 15 ans, un truc comme ça, et aujourd'hui je suis là. Mon artiste, c'est mon pote qui m'a donné ce blaze en vrai de vrai. Parce que je suis un petit Renoir, donc Nekrito, comme j'aimais bien, j'ai gardé. Un petit Renoir. Je dirais la Purge 3, parce que c'est ça qui m'a mis en, vraiment en exposition, tu vois. Moi, je dirais la Purge 3. Festive. J'ai commencé à faire de la musique en vrai avec mes potes. Il y a eu un studio dans l'espace jeune de ma ville. C'était voilà, mes premières séances studio, c'était là-bas. J'ai commencé avec mes potes, mais quand mes potes ils étaient pas sérieux, ils s'en foutaient un peu de la musique. Je suis parti en solo. Moi je dirais les deux, franchement. On dirait notre génération, c'est plus le flow qui compte. Mais moi je dirais les deux quand même. Première séance studio, on était beaucoup dans le studio, tous mes potes, ça non franchement c'était des bons moments, dans l'espace jeune, avec tous mes potes. Des fois il n'y avait même pas d'ingé, c'était un pote à moi, il faisait l'ingé parce qu'il connaissait un peu, non, franchement c'était lourd. Je crois du Caris, hein. Parce que ouais, c'est quand j'étais en seconde saison, j'ai découvert Caris, j'ai kiffé de ouf. Je vais dire 50 Cent parce que quand j'étais petit, c'est lui qui m'a donné envie de rapper, on va dire, tu vois. C'est ce qui fait grave quand j'étais petit. Ancré à ton port. Un peu de zouk, des fois, ça fait du bien. Gamga Style, parce qu'il est connu dans le monde entier. 57, hein. Si je peux faire un feat avec 57, même si le son ne va pas être de ouf, mais ce serait bien. Je le ramènerai dans mon délire, si je peux. Pépite, c'est quelqu'un qui a un truc à part, hein. Quelqu'un qui se démarque, tu vois. Ça pour moi. Que du bien, hein. Que de la réussite, bonheur, santé, argent, c'est tout. Hein. C'est moi, ouais.